Ouh là 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 là! Les 73 51, dis donc, t'arrives tard aujourd'hui, hein. Eh bien, bah, de toute façon, on est vendredi, hein, donc le vendredi, c'est la journée poisson, donc pour toi, c'est la journée sans vidéo. Hachi! Et tiens, j'ai une petite news pour toi au niveau propag. Alors, à midi 10, midi et quart, autrement dit 6h10, 6h15 pour toi, le Québec commence à passer là, ici, sur la 14. Ah bah tu m'étonnes. Là j'étais surpris. Bon j'avais pas pris. Bon je me suis levé un petit peu plus tôt là aujourd'hui. Quand j'ai vu 24 gigas de vidéos quoi, que tu m'as envoyé là. Ouais. Donc ça fait 3 vidéos en tout. Du coup j'ai mis le réveil un peu plus tôt. Et bon, j'ai pris mon petit déjeuner 1 heure plus tard. quand j'ai entendu le Québec, oh, je me suis dit non, je peux pas là. J'ai pas pris mon petit déjeuner, non, là c'est pas bon. Je vais raconter que des conneries, ça va pas le faire. Hachi! Attends, j'ai le Brigitte qui me moustache en même temps. Malgré tout, tu fais quand même une vidéo aujourd'hui? Enfin, tu fais quand même des vidéos aujourd'hui? Ah, il y a un changement alors, parce qu'on est vendredi. Alors, j'ai pas mis en route les web SDR, parce qu'en même temps. Je suis en train de travailler là ces vidéos, les mettre en ligne et tout et tout et tout. Alors, chaque chose en son temps. T'as pas pris ta crème de whisky, donc c'est toi qui es décalé. Attends, vas-y, est-ce que là je suis en train de travailler là, sur la tienne. Je suis sur. Oh, je ne sais même plus sur laquelle je suis là maintenant. J'ai là. Ah, ben je suis en train de travailler sur ta deuxième vidéo. Elle est en train de se mettre en ligne. Là, je suis en train de travailler la vignette. Et. Ouais, ben attends. Je suis en train de travailler la vignette là, de la seconde vidéo. Et en suivant, j'attaque la troisième.
La première, oui, j'ai regardé, mais j'ai joué à pouce, 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 pouce. J'ai vu un endroit où tu étais en train de d'écouter sur ton téléphone. Voilà, tu étais en train d'écouter une petite vidéo sur ton téléphone, j'ai reconnu le bruit. Hachi, donc là, j'ai coupé cette partie-là. Il y a quelques petits vides que j'ai coupés aussi. Vas-y, dis-moi tout. Ah non, et comme je suis en plein chargement de travail de tes vidéos, j'ai pas le web SDR qui est en marche. Chaque chose en son temps, je le mettrai après quand j'aurai fini. Non, 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 pas du tout. Alors les bonnes, ce sont 13,51 nuit, 14 km, 33,01 la Gironde. Ah, t'es un petit peu trop bas. 27 624.9. Oh zut, je sais même plus quoi. 9,2. Non, bah, là t'es descendu un peu plus en fréquence. Et je vois dans tes vidéos ce que tu touches. C'est le décalage en fréquence que tu touches sans arrêt. Mais le petit, le fine, le clarifieur au milieu, lui, je te vois jamais y toucher. Tu vas te faire tirer les oreilles. Les oreilles, 27 625.05. À choisir, vaut mieux être un chouïa comme ça au-dessus que en dessous. C'est ah, puis les stations, ils ont un clarifieur sur leur poste. Hein. C'est pas à toi à chaque fois d'aller chercher et de te décaler en fréquence. Oui, parce que j'ai vu comment tu fais. Je vais essayer d'être sérieux 30 secondes. J'ai vu comment tu fais là sur tes vidéos depuis quelque temps quand même. À chaque fois, c'est le Corse que tu touches. Pas le Corse, la division 104. Le bouton Corse, décalage en fréquence. À chaque fois, c'est lui que tu attrapes dans tes vidéos avec tes gros doigts de bûcheron. Mais c'est le petit au milieu, le fine, le clarifieur qu'il faut que tu touches. L'autre, tu touches plus, tu mets un paquet de béton dessus qui bouge plus. Ne touche plus à rien, ne touche plus au micro, ne touche plus au poste, ne touche plus à rien, ne touche plus au bureau, ne touche plus à rien, là c'est bon. Bon, je suis un peu trop en forme. Là, t'as touché un petit peu. Tu es un poil de... bon, d'accord. Un poil plus bas. Mais oui, c'est ça. Et la marmotte a mis le papier. Mais bien sûr. Et Gilles, depuis le temps, je te vois faire sur les vidéos. Et à moi, tu as pas brûlé dans la farine, hein? Hachi. Non, je ne veux pas toucher à la farine. Non, mais on va s'ajuster. Là, je vais éventuellement. Avec le RCI, ça va super bien. Il y a juste la perfusion. Et puis quand les stations arrivent un peu décalées, toujours avec le fer, ça touche pas du tout au transmetteur. C'est pas comme la galaxie du tout, là.
Ah bah oui, c'est complètement différent, hein. Là, c'est sûr, c'est. Et puis en plus de ça, là, sur le poste que tu as, la fréquence que tu as d'affiché, déjà, c'est pas un fréquence-mètre, c'est un afficheur de fréquence. Donc la précision n'est pas la même, hein. C'est différent, hein. Et il te manque. Ah, je suis en train d'y penser, tiens. Je sais pas si ça peut se faire sur ton poste. Mais pour d'autres, je crois que ça doit être Superstar 3009, quelque chose comme ça, je sais plus. Il existe une bidouille. Je me souviens en avoir entendu parler il y a déjà pas mal d'années, qui permet de décaler la virgule. Voilà, et pouvoir être plus précis en fréquence. Oui, des boutons, je t'en fous de moi des boutons, moi je vois de quel bouton tu parles. Oh que oui, monsieur. Bonjour à toutes les stations locales, les écouteurs de la fréquence et talents, oui. Oui, monsieur. Une station un peu au loin, là, qui a dit oui. Oui. Ton département, est-ce que c'est le département 33? Affirmatif, je vois où tu veux en venir. Dans les indicatifs kilomike, après KM, les deux chiffres qui suivent indiquent le département. Après, c'est numéro progressif. Donc 14, bon ok, ça tu sais. Kilomike, ok, on en a discuté en message perso. Après, le 33 qui suit pour moi, c'est le département de la Gironde. Et 01, le numéro progressif en dernier. Voilà comment on fait là au niveau des indicatifs kilomike. Comme, tiens, 14 kilomètres, 56, je sais plus comment. Eh bien, lui, son département, c'est 56. Toi, par exemple. Et ainsi de suite. Voilà, au niveau des kilomètres, voilà comment on fonctionne. Le numéro du département vient aussitôt après les lettres KM. Voilà, donc quand un kilomètre te donne son indicatif, de suite dans l'indicatif, tu sais sur quel département il est. Ah, c'est bien pratique, hein, comme astuce, hein. Alors ça, par contre, ajouter le numéro de département comme ça dans la suite des numéros, ça c'est une idée de Joël, c'est-à-dire 14 kilomètres 5701. Donc voilà, t'as compris, département 57. Oui, j'essaie de me replacer sur la fréquence pour que ce soit sur le 00. Ben, je crois que tu es un peu descendu là pour le coup. Hein. Il est tombé de sa chaise. Ouais, là, attends, j'ai pas eu le temps de rechercher, hein. Vas-y, reviens. Ouais, moi je joue qu'avec le clarifieur, hein. Je me décale pas en fréquence. Je reste pile sur la fréquence et je joue qu'avec le clarifieur. Vas-y, reviens pour voir. Alors, 624,94. Alors, 624,94. Voilà où tu es. 624,94. Oh, j'ai juste à peine, à peine, à peine. C'est dur à voir, hein, parce qu'il faut juste aller
permanente sexuelle. Oh, demande à Nathalie qu'elle vienne toucher le bouton. Ouais, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Ouais, mais t'inquiète pas que j'avais compris. Oh, je me suis dit là, si les souris dansent, c'est que le chat n'est pas là. Alors ça, tu vois, je l'aurais parié. Oh, 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 oh. Bon, faut que je travaille un petit peu, moi, là. Pour le coup, j'avance plus sur tes vidéos. Je suis pas multitâche, moi. Bon, je vais faire une coupure vidéo, là, de mon côté. Pour travailler ta troisième vidéo, parce que si je fais participer dans l'audio les stations sur la vidéo que je suis en train de faire, ils ont plus d'intérêt à regarder tes vidéos pour le coup. Alors je fais une pause vidéo de mon côté, mais de toute façon je reste sur le QSO, il n'y a pas de problème. C'est juste une coupure vidéo ici au QRA pour mieux reprendre après. Je suis déjà maître de ma gamelle. Quoique, c'est même pas moi qui fais la cuisine. Oh putain, et je suis reparti à parler, moi. Je passe en QRX, je reviens. Wow, c'est le bordel sur la fréquence. Bon, voilà. Le travail de la troisième vidéo vient de démarrer. Bon, en tout cas, derrière, il y a de la porteuse brésilienne. Oui, c'est y a un mélange de tout, de caca, cracra. Ah oui, à ça, pour être moustaché, on est moustaché, c'est le cas de le dire. Bon, pour la mini-vidéo, bon là, elle est dans les vidéos, là. Mais après, là, dès que j'aurai un petit moment, je remettrai tout à plat, je referai un truc plus propre. Parce qu'à force de retravailler la même vidéo et tout ça, il y a des petits détails qui, moi, m'ont sauté aux yeux, qui me plaisent pas. Donc, je referai un truc en repartant de zéro. Quoi. Bon, c'est pas grave. Ok, bon, tu as déjà le message sur Messenger. Ah, ok. Je te l'ai déjà mis tout à l'heure, le message. Là, la bouillie que je viens de sortir, là, je te l'ai déjà mis tout à l'heure en message perso. Là, c'était juste pour papoter. Alors, donc 14h40, donc chez lui 8h40, à faire que je surveille ce passage sur sa vidéo. Sinon, ça va faire, comment il dit Gilles ? Cacaphonie. Alors, midi 10, midi et quart, ah, et ben voilà, le ding, ça c'est lui. Midi 10, midi et quart, le Québec passait bien là. Oh. Ouais, il est en train d'écouter mon message. Bon alors, quelle connerie je pourrais bien sortir. Ah bah zut.
Ça sort plus facilement quand on le veuille pas que quand on le veut. Bon, ok. Alors, tous les passionnés de radio, n'hésitez pas à venir sur le forum La Planète Sibi Francophone. Vous avez plein d'infos de toutes sortes. Il y a plein d'OM de toutes sortes. Oui, c'est vraiment le cas de le dire. De partout. Et tout ça dans une super convivialité et tout. Je vais être un petit peu méchant. À la différence de Facebook, sur le forum, eh ben c'est super cool. Ah là, oui, je suis très méchant, là. Bon, ça vous donne une idée déjà, là, de l'ambiance un petit peu qu'il y a sur le forum. Chacun échange ses plans de montage vidéo, ses infos perso et tout, ses déplacements sur les salons, et ainsi de suite, et ses tests, ses retours d'expérience. Sans oublier, au début, les petites présentations de chacun. Il n'y a pas 50 solutions. Venez voir pour voir. Ça, oui. Venez voir pour voir et pour vous rendre compte par vous-même. Alors, sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, La Planète Sibi Francophone. Et je me fais siffler. Non. Alors, lui, il est du Brésil. Donc voilà, La Planète Sibi Francophone. Alors certains mélangent le groupe Facebook pour le forum. Non, non, le groupe Facebook, c'est juste, une branche. Une branche du forum, mais rien de plus. Hein. C'est le gros de l'activité est vraiment sur le forum, avec environ 165 pays visiteurs. Et oui, ça fait du monde, hein. Et tout. Quelques boutiques, ils viennent régulièrement aussi dessus pour montrer leurs produits, échanger des infos et tout, ceci, cela. Dans la déconnade, j'ai envie de dire que c'est presque la plate tournante. Mais quand on dit ça, on pense à autre chose. On pense à de la farine. Wow, ouais, et moi de mon côté j'ai le Brésil. Vingt-sept six cent vingt-sept, mais ça c'est très très loin du 27 625. Oh oui, monsieur. Aïe aïe aïe. Ah tiens, ça me fait penser à une blagounette. Des fois là, je vois, t'as vu sur mon groupe Facebook, La Planète CB Francophone, bon, il y a un sous-groupe avec pour tous les autres types de radio. Donc le groupe principal réservé qu'à la CB et le sous-groupe pour tous les autres types de radio et ainsi de suite. Alors il y en a parce qu'il y en a qui font exprès, hein. Ils font exprès de pas comprendre le fonctionnement, ceci, cela. Quand c'est simple, c'est compliqué. Alors certains, j'en dis comme ça, mais est-ce que vous faites caca dans la cuisine? Non? Eh ben là c'est pareil. Ah ben alors là pour le coup, je les ai perdus complètement. Oui, là t'es resté très très poli là. Oui. c'est les réseaux sociaux, voilà, tout simplement. Hein. C'est les réseaux sociaux. Hein. C'est dans la blagounette, ils font caca là où ils mangent. Et puis voilà, quoi.
Alors, pour ceux qui vont se poser des questions, pour traduire, eh bien, sur les réseaux sociaux, ils cherchent même pas où ils postent, ils cherchent même pas où s'ils sont au bon endroit, ils postent là, ils publient là où ils sont, sans chercher à comprendre. C'est vrai que c'est, comme tu dis, c'est décalé. Là, on est, là, on reste poli, là. Là, on fait très fort. Ah, attends, j'ai pas compris, j'étais en train de tousser en même temps. Bon, mais je crois qu'il revient. Ouais. Ok, je suis là aussi. C'était le temps que je redémarre les deux vidéos. Alors si toi se démarre en instantané, moi c'est du diesel. Il y a une petite tempo là du lancement du logiciel qui est dans la caméra. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. C'est le temps que le logiciel se lance, se mette en place comme il faut. Tac, ok, je peux appuyer pour que ça redémarre. Ouais, il est tombé de la chaise, il est dans le fond de la boîte. Oh là, là c'est très QRP, puis attends, il faut que je te retrouve un petit peu là en fréquence. T'es revenu un petit peu sur la fréquence et du coup je suis plus habitué. Quoi. Ah, tu t'es rapproché un petit peu de la fréquence, mais bon, de toute façon, moi ça me va. Hein. Je clarifie de mon côté, c'est tout. Hein. Alors, 624.97. Ah, allez, 624.97. Là, t'es en train de jouer avec des miettes. C'est là, oui, là, tu joues avec des miettes. Hein. Bon, alors, chez toi, c'est encore tout blanc ou c'est en train de fondre au niveau de la neige? T'as presque plus de neige? Attends, j'ai pas du tout eu Roger. Ah, je les entends pas. Hein. 13 degrés, temps humide. Autant dire que chez nous, sur la Gironde, c'est très vert. Ah ben, t'es. Là, on peut passer la tondeuse. J'ai cru comprendre gazou, mais non. Vu qu'il est en train de parler anglais, je me suis trompé.
Ah, il est où? Il est où? Autant tout à l'heure ça allait, autant que là ça a chuté. Et vu l'heure, comme quoi ça fait bien ce que ça veut. T'sais, j'ai pas regardé sur le site SolarHam, le site ou la page Facebook SolarHam, ce qu'il en était là au niveau de l'activité solaire. Je serais pas étonné que les éruptions solaires ça soit plus sur les côtés et non pas face à nous. En plus de ça, nous sur la Gironde là, on a essuyé là une tempête là cette nuit et ce matin, plus quelques orages aussi par endroits. Et j'ai vu ça tout à l'heure à la télé, je sais plus où là, sur quel département, il y a eu une tornade. Le fermier, ben, il a tout perdu. Sa maison, elle est rasée. Ils ont parlé des vents de, je sais plus, 200... ah, la vidéo est finie. De Gilles, la troisième. Ils ont parlé des vents, je sais plus si c'est 220 km/h, quelque chose comme ça. Waouh, c'est pire que la visa. Hein. Ah là, ça décoiffe. Hein. Enregistrez le break. T'as André et Gilles derrière, je reste en QRX. J'arrive pas à le trouver. Pourquoi je joue pas du DSP, moi? Bon, 7, c'est trop. Alors, les nouvelles versions de BHI, la DSP, hein, ont 8 positions. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Voilà, je suis descendu à 6. Alors, des stations OM comme YL s'intéressent aussi au niveau BHI, au niveau de DSP, au haut-parleur DSP, pour mettre dans le push. Et c'est vrai que, bon, ça fait un coup hein, quand même. Le jour où je pourrais m'en acheter un, ah, c'est sûr que je vais le mettre dans le push. Hein. Parce que dans tout push, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à monter le volume par rapport au bruit ambiant, quoi. Là, par rapport à tous les bruits ambiants. Et du coup, on se casse les oreilles et quand on a des soucis d'acouphènes, ben, c'est pas top, hein. Le poste coupé, vous continuez à avoir des QRM dans les oreilles. Ouais, je suis redescendu à 5. Alors, le réglage du bouton, la multiposition, est à adapter au poste.
Et ce sont 13-51, Christian. J'ai pas compris. J'ai fait des petits tests, là, j'ai éteint la lumière, j'ai rallumé. Une fois, c'était tout simplement ça qui me parasitait. Là, c'est pas le cas. L'autre éclairage, voyons ça. Non, c'est pas ça non plus. Des fois, il y a la VMC des maisons là qui parasite. Là, ce coup-ci, ça vient peut-être pas de chez moi. Je sais pas. Et vu ce que c'est, bon, un QRM éliminateur, ça ne peut pas l'éliminer parce que c'est pas de la mitraillette. Ok, à tout à l'heure. Tiens donc, le NB-ANL est inefficace. Je suis de retour. Ah, c'est très très QRP là de mon côté. Hein. Ben là, il n'y a plus rien. Je crois que tu m'as repassé le micro. Les 73-51 à la station, j'arrive pas à le sortir de mon côté. Je peux toujours pas mettre en route les web SDR pour avoir un autre retour, pour avoir d'autres oreilles à l'écoute. Mais bon, ça va arriver, ça va arriver. Donc les 73-51 à la station, 14 km, 33-01, Rémy, le département de la Gironde. Thank you.
Oui, le DSP du poste. J'arrive. Oh, tu m'as retourné le micro? Désolé, mais là, j'ai du mal. J'aimerais bien que ça parle un petit peu. Bon. Rétrécit la bande passante. Je crois que ça marche quand en réception là, sur le mien. Au maximum, comme ça c'est plus rond. Si je peux dire ainsi. Bon, tout ça pour dire que avec le DSP du poste, j'ai vraiment du mal à y arriver, quoi. Comme on vient de le voir dans cette démonstration, c'est plus pas simple. C'est pour ça que du coup j'ai rajouté un DSP entre le poste et le haut-parleur, un BHI. Ou là, waouh, comment ça remonte hein. Si je coupe l'autre, le BHI, alors là, alors d'après des tests, alors. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, les versions où le DSP est carrément intégré au haut-parleur, là pour être mis en mobile, quoi, ça filtrerait tout aussi bien. Ouais, vraiment le jour où je pourrais m'en mettre un. Est-ce que j'ai toujours mon problème? Eh, j'ai plus de problème aujourd'hui. Ça fait bien ce que ça veut, ça.
Bon, alors, sans toucher la caméra, je vais essayer de débrancher le micro. Voilà. Quand sa mère doit, j'évite d'utiliser le micro préampli pour pas rajouter de merde. Mais là, et c'est 1, 2, 3. Wow! Wow! Oh, j'aime bien comment c'est réglé. Là, ça marche. Oh! Il y a une légère réverbération derrière. Bon, évidemment, là, je suis trop près du haut-parleur. Ou c'est le micro qui est un peu trop poussé. Ok. Là, c'est bon. Oui. Oh. Oui. Ça, il y a juste une légère résonance derrière. Bon, je retourne sur la fréquence. Ah. Yes. Qu'est-ce que j'ai pas vu une connerie là? Essai, assis, il y a un petit peu de connerie. Oh que oui, ça marche. Et ça marche tous les jours, le 27-625. Tous les jours. On n'a même pas besoin de propane pour que ça marche. Avec les grandes gueules d'étanant qu'il y a là-dessus, ça peut que fonctionner. Un chie trois coups. Les 73-51, les stations qui sont arrivées là, au fur et à mesure de d'Indy 33, 14 km 33-01, le sud-ouest de France, le département de la Gironde, et j'arrive plus à respirer. Et il faut que je reprenne ma respiration. Ah, j'ai tout lâché là. Bon, du coup, je suis entre deux eaux. J'avais juste un petit poil de propane, comme on a vu là juste avant le que je renclenche la boîte d'accord. Mais bon. C'est noté pour William. C'est noté, mon ami. Ça me suffit pour avoir enclenché la boîte d'accord. Il faut savoir protéger ses PA. Surtout que là. Ouais, voilà, c'est bien ça. Alors, des fois je descends à les 19-20 watts. Bon là, avec la ventilation et tout, ça, les pH, ça les refroidit quand même. Mais là, au maximum comme ça, vu que la vidéo là, la propague est capricieuse, je préfère rester prudent. Mais bon, là, j'ai remis le micro préampli. Mais là, j'ai pas eu de mauvais retour du côté de Gilles sur la modulation. Je vais garder pour le moment le micro préampli. Ah, c'est un micro qui date, hein. Tout est
Ah, il n'est pas tout jeune celui-là. Vous voyez là. Alors, le petit truc qu'on voit sur le côté, c'est pas une crasse. C'est pas une crasse qu'on voit sur le côté, c'est un petit point de colle. Donc là, lui, il est à 0 plus quelques miettes. Alors c'est un très bon micro, évidemment il n'est pas très joli, mais il fonctionne super bien. Alors il y a le EC 2018 ou ECM 2018, bon, peu importe. Là c'est sous la marque Pan, mais on le retrouve sous plein d'autres marques. Et en date d'aujourd'hui, il existe aussi sous la marque CRT. Et là, derrière, parce qu'il y a deux autres réglages, ils sont à l'intérieur. Donc là, là où j'ai fait le trou, c'est juste en face de la petite résistance variable ou condensateur variable, je sais pas trop. Bon, bref, du réglage du préampli. Donc là, avec un mini tournevis, je peux agir directement sur le préampli de cette façon-là. Je sais même plus à quel moment il a cette année, pour cette saison, on va dire ça comme ça, je sais plus quel mois, quel moment il a commencé. Le QSO journalier des talents. M'en vais regarder ça un peu. D'accord. Là, je vois. En octobre, 21 octobre. Oui. Quand on regarde sur ces vidéos, 21 octobre. Et avant ça. Alors donc là, 21-10-2022, la date pour où le QSO journalier a commencé pour cette saison, et précédemment, c'était 17 avril. Ah, quand même. Mmh, 59 pour moi. Et tu me casses les oreilles, bordel de merde. Et c'est pour dire la même chose, tu me casses les couilles. Tiens, c'est marrant, il y en a une qui me le dit souvent à chaque fois que je suis en fréquence. Mais disons que le poste n'a pas besoin de watts. Les watts, je les fais tout seul avec ma grande gueule. Oui, c'est ça qui fait la différence. C'est quoi le whisky qu'il y a derrière, là? Le whisky, ça le prend dans le café, là. Toute la fréquence, elle est bien chaude, le whisky est actif, là. Alors là, ça fait très cool.
Ah oui, tiens, c'est vrai en fait, j'en ai plus. Ça fait un petit moment que j'en ai plus, mais j'ai une bouteille de Suze à la place. Mais fuis-toi, ils vont te les siffler à la douane. Ils vont les boire à la douane. Ah, je suis trois coups. Je vais mettre un petit coup de tuning, de tuner, pardon. Voilà. Bon, YouTube, il déconne. Je crois que c'est la vidéo la plus courte où le temps d'analyse est le plus long. Oup. Quoi? Émile ou Rémi? Oups. Des prénoms, des fois comme ça, c'est. Comme j'ai remarqué, il y en a qui m'appellent Denis, alors que c'est Rémi. C'est vrai que des fois, là, quand. Quand ça passe mal, des fois, c'est un petit peu dur à décortiquer. I am a man of the North America.
ça marche bien. Ça marche bien. Oh la vache, j'ai le poste là qui vient de sauter tout seul là sur l'étagère, enfin sur la tablette. Voilà, autant de fois que t'as rigolé, autant de fois que le poste a sauté sur le bar. Oh putain, oui. Oui, pour la Bretagne. Oups, le voix baisse l'air. Qu'est-ce qu'il manque? Voilà. Ok, ça fonctionne. Alors, Ottawa. Bon, ce coup-ci, le DSP reste enclenché. Voilà pour eux. Montréal-Laval maintenant. Ah, j'étais un peu loin, hein. Voilà, là j'ai enlevé le DSP du VSDR. Ils sont là, ils sont toujours là. Ouais, bordel de merde, il m'entend plus. Oups. Je crois que j'ai mis un peu de bordel dans ce QSO. Peut-être le décaler un peu plus vers la droite, la gauche, pardon. Et
et lui, pareil. C'est un petit test que je fais pour la stéréophonie. Peut-être que... Ben, qui teste pas, ne sait pas. J'entends plus personne. Y'a quelqu'un? Ah, oh, c'est QRP, hein. Très QRP. Oui, c'est toujours là, Rémi. Est-ce que tu m'entends bien sur la fréquence ou trop à côté, trop bas? 97. Ah, là, c'est remonté d'un coup à 56. Alors, 624.97. Ouais, là, t'es parti dans le fond de la cave, t'es tombé de la chaise. Alors, Durbip, il m'a fait une pointe à Santiago 3,5-4, mais la modulation, elle n'est pas passée. Hein. Là, c'est QRP, et puis il y a eu le Brésil qui est passé. Ah, je crois que tu dois être sur 624.97 ou 96, un truc comme ça. Oh, les Alpha Tango du Brésil qui cassent les... C'est pas de la radio que vous faites, les mecs. Te faire fondre la neige. Ils vont te faire fondre la neige.
Alors, j'ai vite redémarré la vidéo parce que j'ai entendu Gilles qui répondait à une YL. Quand je l'entends, mais si ça pose trop souvent des fréquences, je le faisais un peu il y a quand même quoi un mois, mais depuis que ça avait changé avec les Papa Alpha Tango là, sur le 515, il y avait quelque chose qui était changé de fréquence et tout, et puis je l'ai entendu une fois ou deux, mais je l'entends pas, et je n'ai pas entendu sur cette fréquence aussi, là, qui était. J'entends un Français dans le haut-parleur. Tu le vois, BSDR ? J'entends plus personne. Ah putain, ah oui. Là, ça a coupé net. C'est... Waouh, j'entends plus que toi, là. Ouais, c'est la propagation de la pâte aujourd'hui.
Ouais, ouais, non, mais j'ai bien compris que la propagation, on a eu marre d'entendre le Brésil. Et quick, on les entend plus. Oh zut! Oh zut! Oui, mais en disant ma connerie, j'ai entendu à nouveau le Brésil. Je me suis fait griller, gars. Oh ben là aussi, d'un seul coup, le vide, c'est, j'allais dire, le vide sanitaire, ouais. N'importe quoi, le vide sidéral. Tu parles de tempête, c'est toi que j'ai entendu. À propos de tempête, nous ici sur la Gironde, on l'a eu cette nuit et toute la matinée. Hein. Et là, il y a quoi toi, hier il y avait 21 degrés, aujourd'hui il y a 13 degrés. Oui, c'est 13 degrés. 13 degrés, là, c'est peut-être en train de démentir mon abri-tempo pour enlever la remontée. Oh, ça sent la moto, ça sent la moto, ça. Mais pour nous, en ce moment, ici, sur la région, là, sur la France, c'est la période des giboulées de mars. Donc, c'est des pluies par intermittence, comme ça, là, toute la journée. Hein. C'est un petit peu chiant pour rouler. Oui, quand c'est trop frais, c'est pas plaisant. Tu dois t'appuyer comme si tu allais en motoneige un peu là, au début. Là. Et à propos de motoneige, sur ton trike, tu peux pas mettre des chenilles à la place des roues? Il existe des kits, justement, où tu peux remplacer les roues par des chenilles. Ouais, il est tombé de sa chaise. C'est du feu. Et 73-51, Rémi, Dandy 33, 14 km 33-01, la Gironde, Sud-Ouest France. Ouais, c'est assez QRP là de mon côté. J'ai un QRM. Quelque chose.
Alors, j'ai essayé de faire deux choses en même temps. Eh bien, c'est moi pas réussi. Eh zut. Bien Gilles, j'ai essayé de faire deux choses en même temps, mais là, ça m'a pas réussi. Allez, je suis obligé de recommencer au niveau des partages. Je me suis planté. Alors, je nettoie et je recommence. Bon, alors, là, c'est pas Capit Propag, c'est le bonhomme qui suit plus, quoi. Gilles, il se fait vieux, quoi. Il fatigue. Il chie trois coups. Oh, il fait une petite pause. Ça va être l'occasion. Waouh, ça passe fort. Ouais. Ça arrive de partout. Partout. Là aussi, 455. Oh, très bon signe. Canal 26 AM. En ce moment, tous les jours, il y a le Québec qui passe dessus en AM. Voilà, ça c'est fait. Et 73-51, les stations du Québec de 14 km 3301, Dundee 33 sur le sud-ouest de France, à côté de Saint-Émilion. Oh, Santiago 7, Chacal. La vache, Santiago 7, ici, là, sur la France, à côté de Saint-Émilion, le pays des ivrognes. Vous avez vu un peu comment ça fait, la M? C'est pas que pour du local. Ceux qui disent que c'est que pour du local, la M, c'est qu'ils n'ont jamais testé. Ouais, re-chacal. Merci pour le petit bonjour là sur le canal 26. C'est putain, Santiago 7 là, ça m'est arrivé ici. La vache, ça passe fort. Hein. Comme quoi, même en AM, hein, quand la propague est là, elle est là, il n'y a pas de souci. Alors de leur côté. Trop de Skype pour parler avec la France. Je copie, mais pas assez pour dire que ce que tu dis. Ouais, Chacal, c'est moi qui t'ai qui ai pris le micro là sur la 14. Et 73 au tourné à tous. Attention, Chacal, Pascal, les 73-51 à vous tous, de Dundee 33, 14 km 3301, sur la France, le sud-ouest de France, à côté de Saint-Émilion. Son chien, de chez mon client,
Ouais, c'est QRP aujourd'hui. Oh. Je crois que j'ai parlé un peu vite. J'étais simplement calme. C'est quoi ça bouillie? Le café du matin qui a du mal à passer. Quoique là, il est 17h chez nous, donc 11h chez eux. C'est facile avec le Québec pour savoir l'heure. Il suffit de regarder la diagonale de la petite aiguille. Et puis on a de suite l'heure de là-bas. Le calcul est rapide. Oui, monsieur. Alors, ceux qui disent qu'il faut beaucoup de boîtes en AM, ben là, je suis à quoi? J'ai 25, là. Tiens, pour preuve. Hello radio. Hello. 1, 2, 3, 4. Wow, Santiago 6. De mon côté, les 73 à station, 14 km, 3301, d'Indy 33 sur le sud-ouest de France. Eh, vous avez vu, j'ai pas plus. Cinquante-sept de mon côté, 57. Ça passe fort. Ça passe bien. Ah oui. Oh oui, monsieur. Ah, il y en a qui sont en forme. J'aime bien les voir en forme comme ça. 73-51, familial, à Dundee, Dundee. Micro-bounce, trottoir, les Fanny. 9, papa, victoire. 2-2-6, de salut. À Popouette. Pis toute la gang de la planète CB francophone. Wow. Eh ben, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Achim, excellent, super, merci. Tout ça retourné au groupe Dring Dring 26M. Leur vision de la radio, eh bien, se faire plaisir sans se prendre au sérieux. Ça peut surprendre quelques-uns, mais rien de plus normal.
not being loud. Well, maybe we'll get this one more time. Roger. All right, I'll be back. In the water. Thank you.